Bonjour à tous, donc c'est la vidéo par rapport à la méthode du point milieu pour le calcul, pour approcher, donc donner un calcul approché d'une intégrale. Donc on a vu la dernière fois, il faut approcher cette intégrale par b moins a sur n fois f de ai plus ai plus 1 sur 2. Et concrètement, il s'agit de voilà, prendre les points milieu de chacun des rectangles que vous voyez. Alors le théorème vous dit que je prends f de ab, donc k, c'est 2. Deux fois dérivable à la dérivée deuxième, elle continue. Alors, l'intégrale de a, b, f de x, dx moins sn prime, en valeur absolue, c'est inférieur à b moins a puissance 3 sur 24 n3 fois m2, avec m2, c'est le max de f seconde. Sn prime, c'est b moins a sur n fois la somme pour k égale 0 n moins 1 de f de ak plus 1, de ak plus ak plus 1 sur 2. Alba, écoutez la preuve, on va essayer de décrire les choses. Donc ça, donc on va écrire l'intégrale de AB, c'est la somme de k égale 0 n moins 1 de AK, AK plus 1, f de x, dx, moins notre somme, b moins a sur n, fois la somme de k égale 0, f de AK plus AK plus 1 sur 2. Voilà, je sors la somme, et donc je vais avoir une grande parenthèse. J'applique l'inégalité triangulaire, donc c'est module de la somme, c'est inférieur à la somme des modules. Voilà. Et là, il me faut quelque chose, il me faut aller chercher ça. Je vais le faire à part. Donc, ok, donc ça, regardez, ça, ok. Donc ça, c'est quoi? C'est donc à l'intérieur, c'est l'intégrale de AK, AK plus 1, et c'est f de x moins f de AK plus 1, plus AK plus 1 sur 2. Alors, j'ai mis le tout sous intégrale parce que bah, xk plus 1 moins xk, et là, c'est une constante par rapport à x. Et donc, c'est comme si vous intégrez de xk à xk plus 1, une constante ici, dx. Donc, ça, c'est une constante, et ça fait c fois xk plus 1 moins xk. Voilà. Donc, ok. Donc là, j'applique l'inégalité triangulaire, ak, ak plus 1, valeur absolue de fk moins f de k plus 1. Alors, pour simplifier, je vais noter mk, c'est ak plus ak plus 1 sur 2, parce que là, vous voyez, je suis un peu au bout, parce que force de dire. Alors, comme f est de classe C2, donc la formule de Taylor, on va avoir f de x, formule de Taylor, au point mk, donc c'est f de mk plus x moins mk fois f prime de mk plus x moins mk au carré sur 2 fois f seconde de mk, voilà. Donc j'ai approché à l'ordre 2, donc j'ai commis une erreur, ben, on sait très bien. Donc l'intégrale de ak à k plus 1, donc j'intègre ici, donc le passage de là à là, je vais intégrer de ak à k plus 1 partout. Le premier f de mk, c'est constante, donc il reste juste ak plus 1 moins ak fois ça. Deuxième f prime de mk, c'est constante, je la laisse devant, et l'intégrale de xk, xk plus 1 de x moins mk dx. Ça, je vous laisse le calcul, vous allez trouver 0. Et le troisième, c'est ce qui m'intéresse, f seconde de mk fois ak, ak plus 1 fois ça au carré sur 2. Alors, on va prendre en valeur absolue tout ça, on va majorer. Bah, f seconde de mk, c'est majoré par m2, qui est le sup, c'est le max de m seconde. Et sur 2, je le sors, et puis ak, ak plus 1, de x ou mk au carré dx. Primitive, c'est absence 3 sur 3. Et quand vous remplacez, vous tombez exactement sur ça. Donc ce terme-là, c'est majoré par ça. OK. Donc maintenant, je peux prendre, et on reprend. Alors ça égale ça, inférieur à ça, ce qui est en vert. Et là, ce qui est en vert, donc je majore, et je le remplace par ça. Et que je somme. Je somme cette constante n fois. Donc je vais simplifier par n et au dénominateur, c'est juste un n carré. Et donc j'obtiens que l'erreur est majorée. Donc c'est cette méthode, elle est en ordre 1 sur n carré. Voilà, donc c'est tout pour cette méthode du point milieu.